Dans la vidéo du jour, on va parler d'une méthode qui va vous permettre de vous bâtir un portefeuille, que ce soit en crypto-monnaie ou dans d'autres marchés financiers, de manière solide, assez sécurisée et sans trop vous prendre la tête. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui a parlé d'un type d'investissement un peu spécial, à savoir le DCA ou le Dollar Cost Averaging. Pourquoi je vous parle de DCA maintenant? Parce que je pense que c'est important pour les débutants de savoir que c'est avec cette méthode d'investissement, vous pouvez vraiment gagner de l'argent en faisant très peu de recherches. L'objectif va juste être de trouver les bons assets sur lesquels investir et ensuite de faire la chose de manière totalement automatisée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez du dollar cost averaging. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Twitter Inspecteur Crip1, ça me permettra de gagner en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le DCA ou dollar cost averaging. Le DCA, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui vise à investir de manière régulière et limite automatisée sur un actif, par exemple sur les crypto-monnaies. Vous pouvez par exemple vous dire, je vais mettre 100 dollars par mois dans le Bitcoin de manière automatisée tous les premiers ou 15 du mois. J'investis 100 dollars dans le Bitcoin et ce sur des périodes de temps assez longues. Il faut savoir que le DCA, c'est quelque chose qui se fait sur un horizon de temps long terme. Et quel est le gros avantage du DCA? Ben, c'est tout simplement que vous allez lisser la volatilité. Quand je parle de lisser la volatilité, c'est tout simplement, on va dire, enlever ces émotions et ces périodes de doute qu'on rencontre dans les crypto-monnaies. On peut voir que depuis 2014, on a eu d'immenses hausses, mais que derrière, des grosses baisses sont suivies. On voit encore ça, entre là et le plus bas, on a quand même eu 81% de retracement, ce qui est énorme. Après, bien sûr, il y a des énormes montées, mais il suffit que vous investissiez en top de bulle pour la première fois. Si vous avez lissé en achetant une seule fois par mois, même à chaque fois au plus haut sur le Bitcoin, vous serez quand même grandement gagnant et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va partir donc de la thèse d'investissement d'un DCA qui va être fait dans le pire des cas, c'est-à-dire premier achat ici en décembre 2017 au top du Bitcoin aux alentours des 20 000 dollars et ensuite un achat par mois à chaque fois au plus haut. C'est-à-dire que par exemple, si vous achetez en décembre 2018, vous achetez le Bitcoin ici aux alentours des 6 300 dollars. Et on va voir les performances qu'ont pu faire le Bitcoin. J'ai fait aussi la même chose sur l'Ethereum pour vous montrer qu'en investissant même sur les deux plus grosses crypto-monnaies du marché, sur un horizon de temps long terme et en ayant bien sûr fait ses propres recherches, en connaissant la solidité du projet, la team qu'il y a derrière, etc., etc., qu'on peut quand même faire des énormes gains. On va passer du coup sur le tableau du Bitcoin. Donc là, comment est fait ce tableau? Là, vous avez la date d'investissement, le prix du Bitcoin au moment d'investissement, le prix actuel. J'ai pris un prix arrondi aux alentours des 42 000 dollars. Bien sûr, là, j'ai pris des prix arrondis aussi. La performance qui a été faite, c'est-à-dire que si vous avez acheté du Bitcoin en décembre 2017, c'est-à-dire au top du dernier bull run, vous serez quand même sur un plus de fois 2 par rapport au prix actuel. Là, on prend en compte qu'on met 100 dollars par jour et là, on aurait donc la valeur actuelle de ces 100 dollars. Si on descend tout en bas, on tombe quand même sur quelque chose de pas mal, c'est-à-dire qu'on aurait investi sur cette période de 1600 jours, c'est-à-dire sur 4 ans et demi, 5 300 dollars dans le Bitcoin et aujourd'hui, ces 5 300 dollars vaudraient 20 404 dollars. Ce qui nous fait quand même quelque chose de pas mal. On est sur du 285%, c'est-à-dire à peu près 1 fois 3, ce qui est quand même très très bon en termes de gain. On va maintenant faire la même chose sur l'Ethereum, c'est-à-dire mettre 100 dollars par mois d'Ethereum à partir de décembre 2017. On voit que vu que les altcoins ont souvent un décalage avec le Bitcoin, que le top de l'Ethereum s'est déroulé un mois après le Bitcoin. Donc, encore une fois, on va faire en sorte d'acheter à chaque fois le pire endroit, c'est-à-dire le haut des bougies, le prix le plus élevé. Il faut se dire que si vous investissez par exemple tous les 15 du mois ou tous les 30 du mois, vous n'allez pas à chaque fois tomber sur un top. Donc, vos performances seront encore meilleures que ça. Là, les performances que je vous ressors sont vraiment les performances en n'ayant vraiment pas de chance, en achetant à chaque fois le plus haut de chaque mois. Et si en plus de ça, on va dire, optimisez votre DCA en se disant, là, on est vraiment très bas, on est vraiment dans les parties basses, et quand dans les parties basses, vous mettez 2 ou 300 dollars, vous pouvez encore plus faire exploser vos résultats et optimiser votre portefeuille. Donc, on revient à la même chose, c'est-à-dire un investissement de 100 dollars de décembre 2017 à aujourd'hui. Et on tombe sur un investissement total de 5 300 dollars en 4 ans et demi, qui serait devenu actuellement 46 150 dollars, soit une performance de 771% pour l'Ethereum.
On va maintenant voir une chose très importante. Là, c'est le résumé des deux investissements au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est-à-dire que si vous aviez investi à chaque fois 100 dollars par mois pendant 4 ans et demi au pire moment sur le Bitcoin et l'Ethereum, vous vous serez trouvé avec un DCA avec quand même des performances 2x3 et x8 sur les deux. Donc on voit que c'est très bien. Et surtout, on va voir que vraiment cette volatilité est extrêmement lissée par le DCA et que ça permet même d'avoir des meilleures performances que le HODL. C'est-à-dire que si vous avez acheté du Bitcoin au moment du pire moment, c'est-à-dire en top du bear market, et que vous l'aviez revendu aujourd'hui, vous aurez fait une performance de 137%, c'est-à-dire à peu près 1x2,5. Pour l'Ethereum, vous aurez fait une performance de 292%, c'est-à-dire environ 1x3. On voit qu'en achetant en DCA, on arrive même à faire des beaucoup plus gros gains parce qu'on profite vraiment des périodes très basses du marché. Et sur un long terme, quand on regarde bien sûr le graphique du Bitcoin et l'Ethereum, on voit que pour l'instant, ce sont des technologies qui ne font que monter. Donc le DCA fait des bien meilleures performances que le HODL. Cette méthode du DCA ne s'applique pas que aux cryptos, bien sûr, elle peut aussi s'appliquer à d'autres marchés. On peut voir par exemple que sur le marché américain de base, le S&P 500, si on avait fait du DCA sur 40 ans, on aurait environ fait une performance moyenne de 10% par an. Ce qui est quand même très bon quand on sait que sur les 40 dernières années, on a quand même eu des crises comme par exemple la crise des subprimes. 10% par an, on va dire que c'est des très bons rendements en immobilier et que ça dépasse de très loin le livret A. Donc on voit qu'investir en DCA dans différentes classes d'actifs et en ayant une bonne diversification peut être un bon moyen de se faire un beau petit pactole sans trop se prendre la tête non plus. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, à savoir mon Twitter InspecteurClip1, ça me permettra de gagner en visibilité et de faire des possibles giveaways à la communauté par la suite. On va donc faire un petit récapitulatif. On voit que le DCA, c'est un peu un investissement qu'on pourrait dire magique. Après, rien n'est fait sans travail, c'est-à-dire que là, c'est un investissement sur des actifs qui sont quand même solides. Le Bitcoin et l'Ethereum, qui ont des vraies technologies, qui sont les premiers, qui sont pionniers dans leur domaine. Et donc, il faut quand même faire un minimum de travail de recherche pour trouver les actifs dans lesquels investir. Mais on voit que le DCA, c'est vraiment une super méthode. Déjà, on l'a vu, ça permet de très très souvent, dans la majorité des cas, de superformer le fait de holder ces crypto-monnaies. Et pourquoi? Parce que ce qui est compliqué quand on fait un hodl de crypto-monnaies, ça va être justement de réussir à trouver le bon moment pour rentrer et le bon moment pour vendre. Alors que là, dans le DCA, on n'a pas à se prendre la tête, c'est fait de manière automatiquement. Deuxième gros point positif, on voit que c'est un investissement où on ne se prend pas la tête. Tout simplement, on a juste à le programmer automatiquement via des logiciels ou applications, et après, on peut revenir dans 4 ou 5 ans et voir où on en est. Autre chose qui est très bien, c'est qu'on n'est pas soumis à la volatilité, et donc que ça permet vraiment de ne pas se prendre la tête et d'avoir des grosses périodes de doute quand on voit à quel point on peut avoir des grosses hausses et des grosses baisses, même sur des gros actifs comme le Bitcoin et l'Ethereum. Et on sait que les crypto-monnaies sont quand même très volatiles. Et pour moi, dernière chose aussi, c'est que c'est du long terme et donc on ne sera pas affecté par les toutes petites variations qu'on peut voir et ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, ne pas se prendre la tête. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine!